Alléluia. Yamba loyembo mutema. Zwa loyembo ya mutema. Ibonza na pesi na yo polo. Misama yawe. Zwa loyembo ya mutema. Ibonza na pesi na yo polo. Sama Yahweh, kembweza iya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umi sama Yahweh, kembweza iya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umi sama Yahweh. Nani oya kufelanga ati kanke mbona likolo izali o Yesu messages. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais clôturer ce message sur le monde entier. Chaotique. Vous savez, comme je vous ai dit dans la première partie, plusieurs personnes ignorent qu'il y avait un monde qui existait avant Adam et Ève. Plusieurs personnes ignorent cela. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un point dans les premiers passages. Dieu créa les cieux et la terre, point. Et verset 2, la terre devint informe et vide. Je vais l'écrire un peu en hébreu. La terre devint informe et vide. Harach Haya Haya Hayret Haya, Hayita, Tou, Tou, Tou. Beau ou tout vaut
nous avons Haharach Hayita Tohu Vebou. La terre devint informe et vide. C'est très important. Vous savez, très chers téléspectateurs, les grands problèmes se trouvent dans ces verbes. Être, que les traducteurs ont traduit à l'imparfait. La terre était informe et vide. Non. La terre n'était pas informe et vide. Avant Genèse, chapitre 1er, verset 1. La terre était devenue informe et vide. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe et vide. La terre et les cieux existaient avant qu'elles deviennent informes et vides. Le verbe qui est là-bas, c'est ce verbe que j'ai souligné. Hayeta. Ce verbe Hayeta, c'est le verbe être. Le verbe ici, à l'infinitif, c'est le verbe haya. À l'infinitif, c'est le verbe haya. À l'infinitif, c'est ça le verbe haya. Ici, il est à l'infinitif. Ici, le verbe ici, il est conjugué. Hayeta. Ici, ce verbe est conjugué. Troisième personne. Du singulier. Comme en hébreu, on dit, ce verbe est conjugué au pâle ou au cal. Hayeta, troisième personne du singulier, féminin. Donc, Hayerich, la terre était mon féminin. La terre devint, ici le verbe est au féminin, Hayeta. Il est au pâle, au catal. Ça signifie aussi arriver, arriver. Ce mot Aya. Aya. Aya signifie être, signifie devenir, signifie arriver. Ce verbe a plusieurs significations, le verbe ici, Aya. Donc ici, les mots que les traducteurs ou les verbes que les traducteurs devraient ou devraient mettre ici, c'est le verbe devenir. Ce n'est pas le verbe être. Pourquoi le verbe devenir? Parce que la terre existait avant qu'elle soit informe et vide. La terre n'était pas informe et vide avant qu'elle soit créée. Non, la terre était d'abord créée, après cette terre était devenu informe et vide. Praise God, hallelujah. La terre devint informe et vide. Et la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui nous dit l'épître de Pierre, nous allons dire ça. Nous allons dire Pierre.
Que nous dit l'apôtre Pierre? De Pierre. De Pierre. De Pierre, chapitre. De Pierre, chapitre 3, verset 5. De Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Les cieux existèrent autrefois à la parole, par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau, une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont grandes, sont gardées et réservées pour les faits, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Jérémie. Ils veulent ignorer, 2 Pierre chapitre 3, verset 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent. Les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Et la terre, donc les cieux et la terre existèrent autrefois par la parole de Dieu. Existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée, cette terre qui a été tirée dans l'eau. L'apôtre Pierre nous dit, cette terre, avant qu'on les tire dans l'eau, cette terre existait. Ou cette terre a existé ensemble avec les cieux, par la parole de Dieu. Donc, la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1, n'était pas tirée dans l'eau. C'est la terre des présents qui a été tirée dans l'eau. Vous savez, quand la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Dieu dit que les secs apparaissent. Où était le sec? Où était la terre? La terre était engloutie dans l'eau. La terre était sous l'eau. Que les secs apparaissent. Et cela fit ainsi. Et Dieu appela les secs terre. God, alléluia. Oh, ces passages. Écoutez, les apôtres savaient que le monde d'où nous habitons, ce monde était habité premièrement par les diables. Les diables habitaient ici sur la terre. Les apôtres savaient cela. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Vous savez, plusieurs chrétiens ignorent cela. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le dit. Autrefois, les cieux et la terre qui a été tirée dans l'eau existèrent par la parole de Dieu. Et plus loin, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés. Les cieux et la terre d'à présent sont réservés par le fait. Le monde d'alors dont l'apôtre Pierre parle ici, ce n'est pas le monde de Noé. Non! Ici, l'apôtre Pierre ne parle pas du déluge de Noé. Praise God! Il ne parle pas du déluge de Noé. Praise God, alléluia. Ici, l'apôtre Pierre parle du déluge
qui a eu lieu dans Genèse chapitre 1er. Verset 2, la terre était non, la terre devint informe et vide. Comme je vous ai dit dans la première partie, le déluge de Noé a couvert les montagnes. Le déluge de Noé n'avait pas fait disparaître les étoiles et la lumière. Le déluge de Noé a couvert les montagnes, a couvert les collines. Mais le déluge de Genèse, chapitre 1er, verset 2, ce déluge a fait que la lumière disparaisse. La lumière était disparue. Les cieux étaient disparus. Les montagnes étaient ravagées. Les collines étaient balayées. Et la terre était devenue informe et vide. Qui nous dit ça? Jérémie chapitre 4, verset 23 à 25. Tout a été balayé. Il n'y avait plus de lumière, ni de collines, ni de villes, ni des oiseaux, ni des rois. Le monde de Genèse, chapitre 1er, verset 1, était habité, cette terre était habitée par les diables. Il y avait des hommes qui habitaient dans cette terre avant Adam et Ève. Il y avait des villes, il y avait des nations, il y avait des rois. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 4. Jérémie 4, 25. Jérémie 4, 25. J'ai regardé et voici, il n'y a point d'homme. Commençons au verset 23 pour une meilleure compréhension. Jérémie chapitre 4, verset 23. J'ai regardé la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Ici, Jérémie parle du déluge qui a eu lieu dans Genèse chapitre 1er. Verset 2. Parce que le déluge de Noé, la terre n'était pas devenue informe et vide. La terre était devenue informe et vide dans les premiers déluges. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai regardé les montagnes et voici, elles sont ébranlé et toutes les collines sont et toutes les collines chancellent. Jérémie a dit, j'ai regardé, il n'y avait plus de montagnes, il n'y avait plus de collines, dont la terre était devenue informe et vide. J'ai regardé, voici, il n'y a point d'homme. Donc cette terre, dans la terre de Genèse chapitre 1er verset 1, cette terre était habitée par des hommes. Il n'y avait point d'homme. Et tous les oiseaux dans les cieux ont pris la fuite. Il n'y avait plus des oiseaux. C'est-à-dire, dans le monde de Genèse, chapitre 1er, verset 1, il y avait des oiseaux. Et j'ai regardé, voici, Carmel est un désert. Il y avait aussi Carmel. C'est par ici, je confirme ce que Salomon a dit. Rien n'est nouveau sous le soleil. Toutes ces choses que nous voyons a existé avant. Jérémie dit, j'ai regardé, il n'y avait plus Carmel. Je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Élie sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Jérémie dit, j'ai regardé, je n'ai plus vu Carmel. Carmel était devenu un désert. Et toutes ces villes sont détruites. Donc, dans le monde de Genèse, chapitre 1er, verset 1, il y avait des villes. Il y avait des villes. Dieu a tout détruit.
Le monde avant Adam était un monde organisé. Il y avait des villes. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 14 à 19. Ézéchiel 28, 14 à 19. Tu étais un chérubin aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur, de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, j'en parlerai. Du milieu des pierres intercellantes, ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. C'est le diable qui était jeté par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc, dans le monde de Genèse, chapitre 1, verset 1, il y avait des rois. C'est-à-dire, il y avait des nations. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu. Donc, l'enfer a été réservé pour les diables. L'enfer, le feu, n'était pas réservé ou n'est pas réservé pour les hommes. Le feu est réservé pour les diables. Qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans les stupeurs à cause de toi. Tu es réduit de néant, tu ne seras plus à jamais. Ça, c'est le diable. Il y avait des rois dans le monde de Genèse, chapitre 28, verset 14 à 19. Prenons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe 14. 12. Et voilà tomber du ciel l'astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu par terre, toi vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'ensemble à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui voient fixent leur regard, ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre. Les diables faisaient trembler la terre à son époque. Il était un serviteur vigoureux. La Bible nous dit qu'il était intègre. Les diables faisaient trembler la terre parce qu'il était le gouverneur de la terre. Celui qui protégeait la terre. Parce que Dieu lui avait oint avec l'onction de la protection, j'en parlerai. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes. Et ne relâchait point les prisonniers. Les diables emprisonnaient les gens. Dans le monde de Genèse, chapitre 1, verset 1. Tous les rois des nations. Oui, tout repose avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté de loin. De ton sépulcre comme un rameau. Non, je m'arrête par là. Tu réduisais le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point les prisonniers. Le monde de Genèse, chapitre 1, verset 1, n'est pas un monde de fiction.
n'est pas un monde de fiction. Est un monde vrai, est un monde qui a existé. Ici, sur la terre, pas au ciel. Je reprends encore, les diables n'habitaient pas au ciel. Les diables habitaient ici, sur la terre. Mais il avait la capacité de monter au ciel. Lisez, suivez la première partie, vous allez comprendre. Les diables étaient un chérubin protecteur. Il était un chérubin protecteur, nous allons lire ça. Un chérubin, les chérubins, c'est l'un des groupes des anges. Parce que nous avons les groupes des anges au ciel. Un jour, j'en parlerai. Et le diable était un chérubin. Ésaïe 4. Ésaïe 4 à Ézéchiel 28, 14. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous savez, ici, les traducteurs ont ajouté quelque chose ici. Ils ont ajouté quelque chose ici. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Non. C'est mal traduit. Cette traduction n'est pas correcte. Aux ailes déployées, ça ne se trouve pas dans les textes originaux. Je ne sais pas, les traducteurs de la Bible, pourquoi ils l'ont traduit. De la sorte, je vais écrire ça. Ézéchiel. Ézéchiel 28. On commence à 14 jusqu'à 19, mais je vais écrire seulement le verset 14. La Bible nous dit que kérouve, parce que chérubin en hébreu c'est kérouve, kérouve, mimshak, kérouve, mim, kérouve, mimshak. Kérouve Mimishak, ce passage ici, ça signifie chérubin loin pour protéger. Chérubin loin pour protéger. Pas qu'il était chérubin aux ailes déployées, non. Le diable était un chérubin loin protecteur. Un chérubin loin qui protégeait. Le mot qui est ici, c'est Mimshak. Le mot Mimshak, c'est le participe passé du verbe Macha. Le verbe Macha. Machak. Machak. C'est le verbe Machak. Machak, c'est le verbe Wendre. 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 Donc Mimshak, c'est le participe passé du verbe macha, machak. Donc, kérouve, kérouve, mimshak, hi sorer, kérouve, mimshak, hi sorer. Donc, chérubin loin pour protéger. Les diables avaient l'onction de la protection. Il était loin pour protéger. Pas qu'il était chérubin aux ailes déployées. Non, ça c'est les rajouts des traducteurs. Le mot qui est là-bas, qui est là-bas en hébreu, comme j'ai écrit ici.
Kérouv, Mimeshak. Kérouv, Mimeshak. Ici, j'ai Kérouv. Kérouv. J'ai arrangé ici, ce n'est pas un ré, mais c'est un ret. Mimeshak. He so rare. He so rare. Le diable était loin pour protéger. Parce que les mots Hisorer, ce mot vient, le mot ici, Hisorer, ce mot ici, Hisorer, les racines de ce mot, c'est sa mère, Kaf, et Kaf final. Ça, c'est le verbe protéger, couvrir, bloquer. Ça signifie aussi bloquer. Les diables avaient l'onction de bloquer. C'est pour cela que la Bible nous dit il emprisonnait les gens. C'est ça le mot qui est ici, c'est sa mère, Kaf, Kaf final. C'est ça la Bible nous dit. Il emprisonnait les gens. Il avait cette onction. Il avait l'onction de la protection. Il avait l'onction de bloquer les gens, d'emprisonner les gens. Dieu lui avait donné cette onction. Il était loin de cela. Mais les jours qu'il avait péché, Dieu l'a retiré. Ce titre de chérubin, il reste avec sa puissance. Mais devant nous, il ne peut rien. Parce que celui qui est en nous est plus fort que le diable, est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous savez, les gens pensent que le diable est le tout-puissant. Non. Le diable n'est pas le tout-puissant. Vous savez, au dernier jour, un seul ange qui viendra lier le diable, un seul. Dieu ne va pas envoyer plusieurs anges. Lisez les livres de l'Apocalypse. Un seul ange qui viendra lier le diable. Cela signifie qu'il y a des anges qui sont tout près de Dieu, sont plus forts que le diable. Un seul ange qui viendra lier le diable. Un seul, pas deux, un seul. Les gens pensent que le diable, lorsqu'il a voulu se rebeller au ciel, il y avait les bagarres entre le diable et Dieu. Le diable ne peut pas faire les bras de fer avec Dieu. Est-ce que les vases d'argile peuvent faire les bras de fer avec son créateur, le potier? Lisons Luc. Luc chapitre 10, verset 18. Luc 10, 18. Luc 10, 18. Jésus leur dit, l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le verbe est à l'imparfait. Jésus dit, je voyais Satan jeté comme un éclair.
Ça dit, ce sont des anges qui ont jeté les diables sur la terre. Et Jésus les voyait. Ça dit, les diables ne s'est même pas approché pour détourner Dieu. Jésus était là tranquille, il les voyait. Les pères étaient là tranquilles, les voyaient. Les Saint-Esprit étaient là tranquilles, les voyaient. Et il a été jeté sur la terre. Jésus dit, je voyais les diables. Jésus n'a pas dit que j'ai lutté avec les diables. Non. Jésus regardait comment est-ce que les anges jetaient les diables sur la terre. Je voyais les diables tomber. La Bible dit, je voyais les diables tomber. Jésus voyait comment est-ce que les diables tombaient du ciel. Ils tombaient. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a été précipité sur la terre. La Bible dit qu'il a été précipité. La Bible ne nous précise pas si c'est les anges qui lui ont précipité sur la terre. Je pense que ce sont les anges qui lui ont précipité, jeté sur la terre. Mais la Bible nous dit Jésus voyait. Ça dit Dieu voyait. Comment le diable est tombé. Ça dit qu'il n'y avait pas les combats au ciel entre Dieu et le diable. Les mondes dont nous vivons étaient habités avant nous. Praise God, c'est très important. Les mondes étaient habités avant nous. Les mondes étaient habités avant Adam et Ève. C'est vrai. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. Si vous comparez un peu, de Pierre, chapitre 3, versets 3 à 6, que nous dit la Bible? Dans le verset 5, la Bible nous dit, nous ignorons une fois, la terre, les cieux existèrent par la parole de Dieu, avec la terre qui était tirée dans l'eau. C'est très important. La terre dont nous habitons, la terre d'où nous habitons, a été tirée dans l'eau. Mais avant, cette terre n'était pas tirée dans l'eau. Cette terre-là a été créée par la parole de Dieu. Donc il y a des choses ici. Nous avons une terre créée par la parole de Dieu. Et une terre formée par la parole de Dieu, des choses différentes. 5, oui. De Pierre. Ah oui. De Pierre 3, oui, c'est ça. De Pierre 3, 5, voilà. De Pierre 3, 5, oui. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole. Les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés. Pour les faits, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes. Ce qui est important, c'est quoi? Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre
dont nous habitons a été formée. Cette terre était tirée dans l'eau et formée. Mais avant, cette terre existait par la parole de Dieu. Donc il y a des choses ici. La terre créée par la parole de Dieu et la terre formée par la parole de Dieu. La terre de Genèse, chapitre 1, verset 1, cette terre était formée par la parole, plutôt cette terre était créée par la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa, Dieu bara, Elohim bara. On crée quelque chose qui n'existe pas. Mais on forme quelque chose qui existait et cette chose était déformée. On forme quelque chose qui a été déformé. On redresse quelque chose qui a été déformé. C'est très important. Le verset. Et que le verset 6, d'Hébreux chapitre 3, verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour les faits pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impurs. Le monde dont nous habitons est réservé pour la destruction. Dieu détruira ce monde comme il avait détruit le monde de Genèse, chapitre 1er, verset 1. C'est pour cela que la Bible nous dit dans les livres de l'Apocalypse, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Jean a vu un nouveau ciel qui venait du ciel. Jean a vu cela. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Terre. Et la Bible nous dit, les anciennes choses ont disparu. L'ancienne terre et l'ancien ciel étaient disparus. Les cieux anciens ont été disparus. L'ancienne terre a été disparue. Et Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre d'où nous habitons, Dieu les détruira, comme il a détruit le monde d'alors. Et comme il avait fait aussi au temps de Noé, tous les méchants étaient morts. Tous les méchants étaient péris dans les déluges. Tu dois savoir cela que l'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre d'où nous habitons a été formée par la parole de Dieu. Mais la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1, a été créée par la parole de Dieu. Dieu a créé par la parole de Dieu. Dieu a formé par la parole de Dieu. Pourquoi il a formé par la parole de Dieu? Parce que les cieux et la terre étaient disparus. La terre était engloutie dans l'eau. L'eau a ravagé tout ce qui était sur la terre. Il n'y avait plus rien. Tout était sous l'eau. Tout était ravagé, détruit. C'est différent avec les déluges de Noé. Les déluges de Noé a couvert les montagnes. Mais les déluges de Genèse, chapitre 1, verset 1, a ravagé les montagnes. Ça signifie qu'il n'y avait plus rien. Et Dieu, par sa parole,
il commença à former le monde, former la terre. Pourquoi former la terre? Parce que la terre était sous l'eau. Les montagnes étaient sous l'eau. Et Dieu commença à former cela par sa parole. Que les secs apparaissent. Et les secs qui étaient sous l'eau a été tiré dans l'eau par la puissance de Dieu. Que la lumière apparaisse. La lumière existait. Mais il n'y avait plus la lumière parce que la lumière avait disparu, comme nous dit les livres de Jérémie. La lumière avait disparu. Dieu appelle la lumière. Et la Bible nous dit, Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire donner la forme dans la lumière. Parce qu'il y avait le mélange entre la lumière et les ténèbres. Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Et la lumière, il appelle jour. L'obscurité, il appelle. Ça devient la nuit. Il appelle la nuit. Dieu a donné la forme entre les jours et la nuit. C'est ça dont le livre des Psaumes nous dit. Psaume 33, verset 6. 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 Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Les cieux. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Le mot qui est ici, c'est Hassa. Les cieux, la Bible nous dit dans les livres de Jérémie, les cieux ont disparu à la lumière. Et Dieu l'a formé. Le verbe qui est ici, ce n'est pas bara, c'est Hassa. Hassa signifie former, façonner. À ça. À ça. À ça. Ça qui signifie façonner, façonner, fabriquer, former. Psaume 33, verset 6. Dieu a formé les cieux. Pourquoi? Parce que les cieux avaient disparu et la lumière avait disparu. Dieu a formé les cieux par sa parole. Et lisons encore Psaume 104. Psaume 104, verset 30. Psaume 104. Verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle. C'est très important. Tu envoies ton souffle. Le mot qui est ici, c'est esprit. Ruach. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Qui envoie ton souffle, qui a été envoyé dans Genèse, chapitre 1, verset 2, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ici, David dit, tu envoies ton souffle et ils sont créés.
et tu renouvelles la face de la terre. Que signifie renouveler? On renouvelle quelque chose qui a été détruit. Dieu a renouvelé la face de la terre. Pourquoi? Parce que la terre était devenue informe et vide. Puis Psaume 104, verset 30. Dieu a tout renouvelé. Dieu a renouvelé les montagnes. Il a renouvelé les étoiles. Il a renouvelé les collines. Il a renouvelé la lumière. Il a renouvelé presque tout. Parce que toutes ces choses étaient disparues. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 2, la terre devint informe et vide. Et Dieu a renouvelé la face de la terre par son souffle. Or, le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Lisons Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été formé par la parole de Dieu. Quel monde? C'est le monde de Genèse, chapitre 1er, verset 3. Le monde de chapitre 1er, verset 1, n'était pas formé par la parole de Dieu. Le monde de Genèse, chapitre 1, verset 1, a été créé par la parole de Dieu. Mais le monde du chapitre 1, verset 3, a été formé par la parole de Dieu. Par la foi que nous reconnaissons, le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde qui est là-bas en grec, c'est katartizo. 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 C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été katartizo. Katartizo. Hébreux chapitre 11, verset 3. Ça signifie tout simplement réparer. Catartizo, ça signifie mettre en état. Catartizo, ça signifie rétablir. Catartizo, ça signifie façonner. Catartizo, ça signifie organiser. Catartizo, ça signifie préparer. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été mis en état par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été rétabli, pas établir, rétabli par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été redressé. Pourquoi redresser? On redresse quelque chose qui a été déformé. Dieu a redressé le monde. Dieu a façonné le monde. Dieu a on organise quelque chose qui a été désorganisé. C'est le mot katartizo qui se trouve ici. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été katartizo. Par la parole de Dieu. Katartizo signifie préparer, mettre en état, rétablir, redresser, réparer, façonner, organiser. Le monde dont nous habitons aujourd'hui a été redressé, organiser, façonner, mettre en état par la parole de Dieu. Nous habitons dans la même terre que Adam habitait. Nous habitons dans la même terre que Noé habitait. Et la terre d'où nous habitons a été redressée par la parole de Dieu.
cette terre a été formée par la parole de Dieu. Mais la terre de Genèse, chapitre 1, premier verset 1, a été créée par la parole de Dieu. Et cette terre était ici sur la terre. Cette terre n'était pas au ciel. Le diable n'habitait pas le ciel, il habitait sur la terre. Praise God, alléluia. Un jour, Dieu détruira ce monde, comme il avait détruit le monde d'alors. Et ce monde est réservé aux fées. Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est vraie. Nous allons lire un passage pour clôturer. Apocalypse chapitre 21. Verset 1 à 5. Je vais lire seulement les... Ok, je vais lire tout. Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 5. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Tout cela, Jean l'a vu disparaître. La terre, le ciel, il a vu disparaître. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est emparée pour son époux. Et j'entends du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oh, Dieu lui-même sera avec nous. » Un jour, Dieu viendra sur la terre. Alléluia. Il viendra habiter avec nous. Praise God. Alléluia. Il essuiera toutes nos larmes de leurs yeux. Toutes les larmes de leurs yeux. Et les morts ne seront plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Dans la nouvelle terre dont Dieu viendra mettre sur la terre, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de cris. Il n'y aura même pas le racisme. Il n'y aura pas la ségrégation. Il n'y aura pas la haine. Il n'y aura pas la corruption. Praise God, alléluia. Oh, quelle joie d'être ces jours-là avec Dieu. La Bible nous dit, les justes hériteront la terre. Et le verset 5. Celui qui est assis sur le trône dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces choses sont certaines et vraies. Celui qui est assis sur le trône, c'est qui? C'est Dieu. Il dit à Jean, écris ces choses parce que ces choses sont certaines et vraies. Ces choses sont certaines et vraies. Un jour, Dieu détruira la terre. Un jour, il viendra installer son royaume sur la terre. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Écris ces choses, car elles sont certaines et vraies. Ces choses sont véridiques. Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois donner ta vie entre ses mains. Tu as besoin d'avoir la vie éternelle. Et tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de l'accepter. Parce qu'il a été crucifié pour nos péchés. Il était mort pour toi. Il a été ressuscité pour toi. Il est assis à la droite du Père pour toi. Et si tu l'acceptes, qu'il a pris tous tes péchés. Si tu l'acceptes, et lui, il te donne la vie éternelle. Parce qu'il y a des salis en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus qui sauve. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi.
tu veux l'accepter, fais cette prière avec moi. Quand je dirai mon nom, toi tu diras la tienne, les tiens ou la tienne. Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, Papa, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que moi, Jimmy, j'ai la vie éternelle. Papa, merci parce que Christ était mort pour moi, pour que je reçoive la vie éternelle. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Papa, merci. Je suis sauvé. Papa, merci parce que Christ est mon sauveur. Je l'accepte dans mon cœur. Merci, Papa, parce que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci parce que j'ai la vie éternelle. Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu as la vie éternelle comme tu es là. Tu as reçu la vie de Dieu. Bien, très cher téléspectateur, comme tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui te reste, c'est le baptême. Donc, il faut chercher une église. Et lorsque tu vas arriver dans cette église-là, tu demanderas au pasteur afin qu'il te baptise. Et dis-lui, je vais être baptisé parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis. Partagez cela. C'est la seule façon aussi de contribuer dans l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.